intéressant. Mais moi, je suis Joanne Moreau, je suis la directrice de la formation continue des services aux entreprises. Et Francine, ma collègue, est coordonnatrice pédagogique à la formation continue. Le mandat de formation continue dans un cégep, service aux entreprises, c'est de travailler. Nos étudiants ne sont pas à l'interne, nos clients sont à l'externe. Il faut aller les chercher dans tous les milieux. On couvre l'ensemble de l'Outaouais. Mais on est... la semaine passée, je me disais, wow, on est rendu là, on sort du balbutiement, mais on est entre nous, là, on est à peu près que des initiés. J'ai inscrit à la régie de collège le 28 avril un point d'une présentation. Il faut toujours aller parler au directeur général, c'est quoi un Fab Lab. Une fois qu'il va l'entendre parler, il va trouver là, lui aussi, un aspect d'innovation. Donc, c'est de voir les choses différemment, puis tu amènes des exemples super intéressants quand tu dis, ben, on peut-tu faire quelque chose dans la littérature, on peut-tu faire quelque chose au niveau des sciences humaines. On a 2400 étudiants en sciences humaines au cégep, donc c'est certain qu'il y a des futurs entrepreneurs là-dedans, mais à qui il va falloir donner des outils pour le découvrir, donc de développer le volet entrepreneurship chez les jeunes ou peu importe, c'est tout un défi pour l'Outaouais. Travailler avec cette notion complètement flyée, quand François, Claude, Reda, puis Fun est arrivé à la même occasion, on parlait des Fab Labs, et pour moi, j'avais de la difficulté même à saisir tout le concept. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à Francine, il faut que tu m'accompagnes pour que tu commences à comprendre le vocabulaire, parce qu'en quelque part, dans le projet du Fab Lab, on parle aussi de formation, on parle de peut-être devenir même, permettre d'accréditer des gens. Est-ce qu'il y a de la place là-dedans pour qu'on développe un programme à la formation continue, un programme de formation qu'on mettrait sur la plateforme virtuelle que nous avons au Cégep, puis qu'on puisse donner cette formation-là à travers le Québec, puis après ça,